Salut à tous, c'est Snowguns, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne YouTube et j'ai décidé donc de faire une série sur Minecraft. Alors on va lancer, on va se faire un petit monde tout de suite qu'on va appeler Poney qui vole. Et c'est parti. Allez, alors on a spawn, ouais, c'est dégueulasse. Dans le désert, c'est génial. Hop. On va aller choper du bois et puis on va se faire une petite baraque sur une colline ou un truc comme ça, histoire d'avoir une jolie vue. Puis voilà. Deux, trois cactus. On va quand même récupérer du sable pour se faire des vitres pour la maison. Voilà, ça devrait suffire. Alors du coup, je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous voulez qu'on fasse dans cette série. Si vous voulez qu'on rush l'ender ou des trucs comme ça. Ou si on s'axe plutôt sur de la construction, etc. Faire des trucs sympas, du genre des îles qui volent, etc. Bois qu'il y a dans le jeu, mais bon, ça suffira pour la première maison. Bon, je pense faire une vidéo d'environ 10 minutes, donc la durée du jour. Ça devrait suffire pour le début. Parce qu'après, ça risque de faire trop long. J'essaie d'avoir récupéré une vingtaine de blocs histoire d'être tranquille. Je trouve. Voilà, récupérer des graines pour faire un petit potager histoire d'avoir de la bouffe. Puis on va aller se trouver un coin. Hop, voilà, ça devrait suffire. Du coup, on va aller se trouver une petite colline histoire d'avoir une jolie vue. Plutôt par là-bas, je pense, parce que on va s'éloigner du désert, parce que c'est pas fou. Voilà, là-bas, je pense que ça pourrait être sympa. Attaquer à poser la maison. Une fois là-haut. Bon, là, on va pouvoir prendre un peu de bouffe sur les vaches. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'est sympa ici. Allez, on va poser la table de craft tout de suite. On va se faire une pelle, une pioche, puis on va commencer à améliorer le terrain, histoire que ce soit bien carré, bien beau.
Ça, les arbres qui gênent. Je vais garder le tronc là en bois brut. Je pense que je vais faire les coins de la maison en bois comme ça pourrait être, ça sera pas mal. Je me souviens plus à quoi ressemblent les portes avec l'acacia. Alors là, j'ai aucune idée. Je vais voir ce que ça donne, si elles sont jolies. Ouais, c'est pas mal. Hop. Ah ouais, du coup y a plus d'arbres comme ça. Y a plus de chênes. Tant pis. C'est peut-être un peu grand. Dégage, t'es en plein milieu. C'est pas la partie la plus passionnante, récupérer les matériaux. C'est pour ça que je pense que pour la prochaine vidéo, je vais récupérer des matériaux, comme ça je serai plus tranquille, ça sera plus sympa, on fera juste la construction de la maison. Ça sera peut-être plus intéressant à regarder parce que là c'est pas très... C'est pas dingue. Et puis de toute façon c'est après que ça va être un peu plus marrant à regarder quand on va commencer à dégommer du zombie, etc. Il y aura un petit peu plus d'action. Hop là. Oh, elles sont sympas les portes. Du coup, il faudrait que je retourne chercher. Oh putain. Si on va faire une autre pièce alors. La maison. Si je fais comme ça. Bon, ça fait déjà une jolie maison. Il n'y aura plus qu'à améliorer le sol. Je pense se faire un damier en laine. Ça sera plus sympa. Déjà, on a les contours. Voilà, hop. Du coup, tac, on va quand même poser les coins. Que je changerai, je pense, pour du chêne. Hop là, voilà. Du coup, je pense que je vais arrêter ici la vidéo. Ça a servi de petite introduction à l'aventure. Je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous voulez qu'on fasse pour la suite, si vous voulez vous axer sur de la construction ou plus de l'aventure à proprement parler, hein, des donjons, etc. Allez, salut à tous, bye!